Innsbruck, le week-end dernier. Championne de France en titre de bloc, à seulement 22 ans, Fanny Gibert participe à ses premiers championnats d'Europe. C'est la grosse compète de l'année et puis en plus c'est la première. Fanny, donc, c'est une grimpeuse qui l'an dernier a fait le podium en Coupe du Monde, qui a terminé numéro 7 mondial. L'objectif c'est de faire une médaille ce week-end et donc si possible on va dire la meilleure couleur possible. Quoi. Septième à l'issue des qualifications lors de la première journée, place maintenant aux demi-finales où la numéro 1 française va se frotter au top 20 des meilleures grimpeuses européennes. J'ai eu des bonnes sensations, j'ai réussi à gérer à peu près comme je voulais ce début de compète, ce premier tour, et c'était top. J'espère rentrer en finale et puis après, faut pas se fixer de limite quoi. L'isolement a ouvert, on a un certain temps pour arriver et puis après ce sera fermé. Donc plus personne peut rentrer, plus personne peut sortir. Petit temps d'échauffement et après le circuit qui part et ça va être de la bombe. J'ai vraiment trop hâte. Du début à la fin, tu gardes ça, tu gardes l'envie, le plaisir et puis le relâchement tout en étant surmotivé. Voilà, du coup, c'est bon. Ça y est, c'est bon, j'ai mon dossard, c'est parti. Aujourd'hui, il n'y a que 4 blocs. Et toujours 5 minutes par bloc. Et ensuite, le classement, voilà, il fait aux meilleures performances dans les 4 blocs de chaque grimpeur. Ça a l'air assez varié. Il y a pas mal de nouvelles prises là qu'on ne connaît pas. Du coup, pas forcément hyper facile de se rendre bien compte du niveau des blocs. Donc, ça m'a l'air pas mal. Non, l'idée est plutôt un bloc assez physique, plutôt dans un style où elle n'est pas très à l'aise. Après, bon, elle doit pouvoir le faire quand même. Alors là, du coup, un bloc plutôt technique. Normalement un style où Fanny est assez à l'aise. Donc là il faut faire les blocs parce que sinon ça ne suffira pas. Quoi. Allez Fanny, c'est bien, allez! Là il faut qu'elle arrive à sortir les pieds à gauche, puis à pas se précipiter. Allez Fanny, allez! Voilà, ça sort au premier essai. Ça c'est bien, ça va la remettre en confiance. Ah, donc Fanny, comme elle est très souple, elle arrive quand même souvent à trouver des positions pas mal dans ce genre de truc. Allez Fanny, allez! Dommage, elle était assez près de le faire, c'est dommage. C'est bien Fanny! Ça commence à être critique. Allez Fanny, allez! Ma foi, on va attendre les résultats, c'est pas impossible que ça puisse passer. Ah, mais là, elle y est, hein. Non, mais là, elle y est, hein. Là, elle y est, ex-aequo avec Mina Markovic. C'est bon, ça, hein. Allez. Putain, mais j'y suis. Je suis en finale des championnats d'Europe. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est tout ce que je voulais. Tu mériterais des gifles dans ton circuit, là. Je te le dis, hein. Ça va, t'as pu dormir un peu. C'est parti. Allez, après toi. Il n'y a pas à se poser de questions. Hein. Et par contre, ce qu'on disait par rapport à hier, quelle que soit la méthode que tu essaye-la à fond. Tu veux, voilà. Parce que si tu essayes à 50%, tu prends aucune info, tu tombes par terre, c'est comme si tu n'avais pas fait d'essai. Allez, 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 allez,
bien se dresser sur le pied. Allez Fanny, allez, allez. Oh là là, allez, là c'est assez, c'est allez, bien. Fanny, c'est... Voilà, pour allez, pas... Fanny, allez. Là pour allez, pousser. Allez, 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 allez. C'est bien Fanny. Ah là, c'est pas mal. Pour nous c'est un super espoir. On va l'Espagne du monde à Bercy l'année prochaine. Voilà, pour lequel je pense qu'elle sera pleine, elle sera quand même à maturité et je pense qu'on pourra compter sur elle pour faire une grande performance. Il faut rebondir et il faut se relever vite et parce que il y a la prochaine Coupe du Monde qui est dans 2 semaines. C'est difficile là tout de suite de voir autre chose que l'échec. C'est la compète.